Salut tout le monde, c'est Ethan, 1975. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire de la chaîne qui est Yumikara. Comme d'habitude, nous allons regarder sa carte descriptive sur le serveur Discord. Yumikara, teammate qualitatif et expert Rocket League. Aussi bon pour taper dans un ballon que pour soutenir moralement ses coéquipiers. Il est le cœur de la Triforce, là où Ethan est le courage, M. Cubix la sagesse et Ilien la force. Encore une fois, on en sait peu sur lui. C'est pourquoi je vais développer sur le sujet. Kara, Enzo de son prénom, a comme beaucoup commencé en tant que simple abonné à ma chaîne YouTube. Il a fait partie des premières personnes qui ont commencé à me suivre. Il regarde mes vidéos depuis environ 2015. Je me rappelle même avoir vu passer quelques-uns de ses commentaires à l'époque où je débutais en tant que vidéaste, c'est vous dire s'il date. En 2017, les choses ont un petit peu avancé car c'est l'année où j'ai créé le serveur Discord de la chaîne. Beaucoup d'abonnés que je ne connaissais absolument pas l'ont rejoint et ça m'a permis de dialoguer un peu plus avec ma communauté, notamment Kara. C'est d'ailleurs à cette époque qu'il a participé, comme de nombreux abonnés, au test d'entrée de notre guild sur Attack on Titan Tribute Game, qu'il a d'ailleurs passé avec succès. Même s'il est vrai que depuis le temps, cette guild n'est plus trop opérationnelle en dehors de tout ce qui concerne le story mode. Mais tout a basculé en 2020, à l'année dernière. Comme certains le savent, il y a eu quelques dramas lors de cette année 2020. Dramas dont je ne parlerai évidemment pas, d'une part car certaines choses sont privées, et d'autre part car je n'ai aucune envie de relancer des débats et autres embrouilles à ce sujet. Suite donc au premier drama qui a eu lieu pendant l'été 2020, j'ai sympathisé plus en profondeur avec Kara, car j'étais plutôt seul et les récents événements m'avaient fait beaucoup souffrir. Un peu de compagnie ne me faisait clairement pas de mal. Par la suite, il a rapidement monté en grade sur le serveur Discord. D'abord sous-officier, il m'a apporté beaucoup de soutien moral dans cette période très difficile que j'ai traversée, et je lui en suis très reconnaissant d'ailleurs. Mais les choses se sont accentuées après le deuxième drama qui a eu lieu en fin d'année. Kara a finalement passé officier sur le serveur car je lui accorde une grande confiance et qui plus est, il est presque le dernier au gradé à être resté après toutes les histoires et embrouilles qui ont eu lieu. Suite à son soutien, la confiance que je lui accorde ainsi que de nombreux échanges depuis que j'ai commencé à lui parler sérieusement, il a fini par me considérer comme un grand frère, ce que j'apprécie beaucoup d'ailleurs. Par ailleurs, en dehors du côté relationnel, Kara a également participé à des projets sur ma chaîne YouTube. Il a notamment participé à la vidéo Among Us que j'ai faite l'année dernière, et également quelques lives sur Minecraft. Et bien évidemment, il participe au Story Mode. Petit détail d'ailleurs, il fait partie, avec Tiger, des sauveurs de la deuxième partie de la saison 2 du Story Mode, car suite à l'abandon du projet de certains membres de l'équipe de tournage ainsi que de l'équipe de doublage, certains rôles et certains tournages ont été abandonnés. Kara et Tiger ont tous les deux grandement aidé au tournage des trois derniers épisodes de la série, et Kara a repris le rôle de Billy Kamado et m'a également permis de trouver une doubleuse de substitution pour le rôle de Netsui Mikune. Et en toute honnêteté, je ne sais pas ce qu'il se serait passé s'il n'avait pas été là à ce moment précis. Suite à tout cela, il a bien évidemment été retenu pour le projet des Short Story Mode, dans lequel il double le personnage d'Eren Yeager, ainsi que dans le projet SMA toujours en cours de développement. En dehors du côté professionnel, Kara m'a également permis de découvrir d'autres horizons en ce qui concerne le jeu vidéo. Il m'a converti à Rocket League, malgré le fait qu'il ait plus gueulé que marqué sur ce jeu, World of Tanks et bien évidemment Genshin Impact. Nous avons passé énormément de temps sur Soul Worker, un MMORPG qu'il m'a fait découvrir, ainsi que Minecraft dans une immense survie que vous verrez très probablement en vidéo puisque j'en fais déjà quelques lives en ce moment. Si vous êtes déjà venu sur les lives, je pense que vous l'avez vu. Et en définitive, Kara a été promu officiellement en tant que modérateur du serveur Discord. Malgré sa récente arrivée dans l'histoire de la chaîne ainsi que dans ma propre histoire, son rôle et ce qu'il a fait n'en reste pas moins déterminant, que ce soit pour moi, le Discord ou la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter également si vous avez des questions ou autres, comme d'habitude, à me suivre sur Instagram, à rejoindre le serveur Discord ou à aller faire un tour sur la boutique partenaire SNK Store ou à checker mon Tipeee aussi, ça peut être sympa. Tous les liens sont dans la description et bien entendu n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis au prochain épisode, d'ici là portez-vous bien, ciao.